Eh bien, salut à tous et à toutes, c'est Pablo, on se retrouve pour le premier épisode sur LEGO City Undercover. C'est quoi ce son saccadé? Eh bien, salut à tous et à toutes, c'est Missy Pal, on se retrouve pour ce 14e jour de notre calendrier de l'Avent. Je m'excuse d'avance, je suis malade. Donc bon, ça va peut-être s'entendre de questions voix. Donc on se retrouve aujourd'hui pour LEGO City Undercover, enfin pour voilà, pour parler un petit peu de la playlist. Donc, LEGO City Undercover, encore une fois, l'un de mes, je crois que c'est mon deux ou troisième let's play 3D. Donc bon, honnêtement, il y avait pas mal de problèmes, la qualité était dégueulasse. Il faut savoir d'ailleurs que j'ai un épisode de flag, enfin de un épisode de ouais qu'un flag sur YouTube, j'aurais peut-être à le re-upload, je sais pas encore, mais bon, ce sera fait, je sais pas trop quand. J'ai pas des épisodes de qualité mais plus belle parce que c'est vraiment dégueulasse. Oh, déjà la qualité là est déjà mieux. Je crois que c'est le début aussi où je filmais avec mon appareil photo. C'est dégueulasse comme qualité. Que fais-tu? Ouais, bref. Et donc oh, petite intro. Alors oui, il faut savoir que ok, donc avec le logo Bandicam. Oh. Alors, il faut savoir que je sais plus ce que je vais dire. Oui, normalement pour ce mois, enfin pour le printemps de donc le printemps 2017, LEGO City Undercover, la version Wii U, devrait sortir normalement sur Switch et sur et sur PC. Donc je vais pas vous faire la version Switch, je vais vous faire la version PC que je vous ferai directement dès sa sortie. Après, il faut savoir qu'il y a aussi, enfin, il y a... C'est vrai que honnêtement, le gros défaut que j'ai eu avec ce jeu, c'est pas avoir fait le 100%. Parce que pour moi, clairement, c'était l'un des meilleurs jeux LEGO. Avoir la ver... Je pense qu'honnêtement, la version PC, je vous la ferai, enfin, c'est même sûr, je vous la ferai à 100%. Mais ça, le problème, c'est que ça va durer très longtemps. Mais je veux le faire à 100%. Voilà, après LEGO City Undercover, c'est vrai que c'est ça, j'ai pas mal de petits problèmes entre guillemets avec. Let's play a duré, je sais plus, 15 épisodes, ce qui est pas mal. Ce qui est plutôt pas mal. Ceci doit voir à peu près. Ouais. Donc il a... Avec les problèmes de caméra pour filmer la console, alors que maintenant j'ai tout un setup fait exprès. Ah là là, ça rappelle le beau vieux temps, c'est tellement bien. Mais vous voyez, le fait qu'on puisse jouer des... Qu'on puisse conduire des voitures, enfin, le monde, pour moi, est génial. Ça... Parce qu'en fait, on joue tout dans un open world et c'est génial. Et c'est vrai que, bon, ça concerne pas trop LEGO City Undercover, mais je vais quand même en parler. J'en reparlerai aussi dans LEGO Star Wars, vu que ça concerne plus LEGO Star Wars. C'est... Il faut savoir que LEGO Star Wars... bon, je vais finir le 100%, vous inquiétez pas. Mais je trouve qu'en fait, là où ce qui me fait galérer pour LEGO Star Wars, c'est que je trouve qu'il n'y a pas de logique après envers les personnages. Je veux dire, LEGO Marvel et LEGO... On va appeler ça les LEGO DC, voire même... Quoique LEGO Harry Potter, encore c'est spécial. Mais LEGO Marvel, je veux dire, on voit qu'Iron Man c'est un robot qui peut voler. On voit que... Enfin, vous voyez, ça reste assez logique. Tandis que Star Wars, j'ai pas trouvé cette logique envers les personnages. Et c'est ça qui me... C'est ça qui me fait des fois un peu galérer. Et c'est pareil avec les LEGO DC. Enfin, tu vois bien que Superman, enfin... Voilà, Superman c'est un mec... Enfin... Même... En fait, je trouve que... Voilà, t'es obligé de connaître Batman, ce qui fait que tu sais que forcément qu'il vole, quoi. Et c'est le cas. Parce que je prends l'amiral, je sais plus comment il s'appelle dans LEGO Star Wars, et ben j'étais censé savoir comment qu'il peut creuser dans les trous. Après, il y a aussi LEGO... LEGO Harry Potter, mais ça, LEGO Harry Potter, ils ont le droit de faire du nawak, c'est de la magie, donc ils ont le droit.
Donc voilà, donc en tout cas, voilà, j'espère que ce 13e, je crois, jour, 14e jour, pardon, vous aura plu. Si c'est cas, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Sur ce, allez, salut tous, c'était Paradox. Bye. Fumier.